Salut, c'est David de Gamecodeur, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a posé la question sur YouTube, est-ce qu'il faut déjà savoir coder pour rentrer dans une école de programmation en jeux vidéo? La réponse est à 90% oui, je vais vous expliquer ça en détail juste après. Avant ça, je vais vous dire à peu près où on en est en ce moment sur l'école en ligne Gamecodeur, et puis les nouveautés, et qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Et puis, je vous explique tout, je vais vous expliquer pourquoi les écoles, elles veulent avoir des gens qui savent déjà programmer quand elles rentrent. La raison cachée derrière ce besoin, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, avant ça, je voulais vous dire que je viens de mettre en ligne le nouveau guide de programmation Code ton système. Donc, vous pouvez l'acheter si vous n'êtes pas membre de la formation Gamecodeur. Il vaut 49 € et vous allez tout apprendre pour coder votre framework, votre système, apprendre à utiliser la programmation de modules, comment penser comme un programmeur professionnel, comment organiser votre code de manière plus professionnelle. Un exemple complet avec mon système RetroEngine qui permet donc de coder des prototypes de jeux qui ont l'aspect par exemple d'une Game Boy ou d'un ZX Spectrum, qui permettent d'avoir un système de debug, qui permettent d'avoir un système de traces intelligent, tout ça de manière propre, programmé comme un professionnel avec un système release, un système de debug, avec un manifeste comme ça en JSON, avec un système de chargement dynamique des modules, module ZX Spectrum par exemple. Alors, regardez, on peut avoir très bien une Game Boy ou un ZX Spectrum avec le même code partagé. Donc ça, c'est le guide de programmation Code ton système qui est disponible en version collector. Dans ce guide en version collector, vous allez avoir tout le code source, un guide de programmation de 30 pages imprimable. Vous allez avoir le replay d'un live pendant lequel j'ai codé un module et je vous ai expliqué comment on crée son système. Vous allez avoir une vidéo bonus de plus de 45 minutes où je vous fais le tour complet, une petite masterclass de mon système, du guide, du code source, de tout ce qui vous est fourni avec toutes les étapes, avec une espèce de visite commentée, avec des schémas, des explications, des démos de tout le code qui vous est expliqué, de toutes les étapes qui vous sont expliquées dans le guide. Donc ça s'appelle Code ton système, vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous avez le guide ici qui fait 30 pages qui est disponible. Si vous êtes membre de la formation Gamecodeur en premium, vous avez accès à la version online de ce guide, et si vous voulez soutenir Gamecodeur, vous pouvez quand même acheter la version payante de ce guide, vous pourrez l'obtenir pour moitié prix. Je vous envoie un code de réduction par email tout simplement. Et maintenant, je vais répondre. Attendez, avant de répondre à la question, les écoles, est-ce que les écoles ont besoin que vous sachiez programmer pour pouvoir y rentrer? Je voulais vous dire que je reprends la programmation en réseau, puisque maintenant j'ai fini le guide Code ton système, que je l'ai mis en ligne. Donc on reprend le parcours programmation réseau en C#, plus l'UA, puisque le client est en l'UA, le serveur est en C# pour vous montrer l'intercommunication, l'interopérabilité des langages. On a fait donc les fondamentaux, on a fait les connexions, on a fait les déconnexions, on va faire les échanges de données, on va faire une petite démo de comment échanger les données, des petits et des gros lots de données. Je vais trouver une petite démo sympa pour vous expliquer comment on échange les données. Et ensuite, ben, on va partager, on va se connecter tous en réseau sur la même map, hein, vous avez les graphismes ici de ce que ça va donner. On va être sur la même map, je dis on, ben, nous tous ensemble quand on va suivre l'atelier programmation en réseau, on va être tous sur la même map et on va se balader case par case sur la même map pour pouvoir programmer, voir les bases d'un système genre multi-user dungeon en réseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de comprendre de manière assez simple la programmation réseau, les sockets, l'UDP, les connexions, les déconnexions, le lag, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas, le tour par tour, etc. Donc ça c'est le parcours, et après ça on passera au C en courant d'année 2020. Donc d'abord on est à fond sur la programmation réseau. En attendant, vous êtes assez occupés puisque vous avez 76 autres ateliers de programmation. Et que vous avez je ne sais pas combien de parcours de formation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dizaines de parcours de formation, 76 ateliers de formation en tout, il faut que je mette à jour ici ce chiffre, 76 ateliers de formation en tout. C'est la formation Gamecodeur, ça commence à 19 € par mois, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour nous rejoindre à tout moment de l'année, tous les lundis en live, et une fois par mois accueille des nouveaux élèves. Je suis allé sur la FJV pour avoir quelques références d'écoles de jeux vidéo. Et je vais vous montrer déjà les conditions d'entrée de quelques-unes de Créajeux, de Enjmin et de Rubika, je crois. Pourquoi les écoles, elles veulent... je vais me mettre en grand, comme ça vous me verrez en grand. Pourquoi les écoles, elles veulent que vous sachiez programmer avant de rentrer dans une école de jeux vidéo? Vous allez vous dire, c'est pas normal. Elle est là pour m'apprendre à programmer, l'école. Elle est là pour vous apprendre à programmer, mais la programmation aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il y a des formations en ligne, il y a des tutos, il y a les langages de programmation, il y a des outils de programmation. Pourquoi l'école, elle va avoir besoin de gens qui savent déjà programmer? Parce que déjà, elle a besoin d'avancer. Elle va prendre des gens, si vous ne savez même pas si vous aimez la programmation, si vous ne savez même pas si ça vous plaît, elle ne va pas vous prendre à l'école de programmation, parce que vous allez être un boulet tout simplement. Hein, parce que si ça ne vous plaît pas du tout, vous allez prendre la place de quelqu'un qui est passionné par la programmation du vidéo, et vous allez peut-être quitter au bout de quelques semaines ou quelques mois en disant la programmation c'est pas du tout pour moi. Donc il faut déjà savoir moins programmer pour savoir si ça vous plaît. Deuxièmement, ils ont besoin de références. Une école, elle est là pour avoir des références, elle est là pour vous aider, elle est bien sûr là, elle a vraiment une vocation pédagogique, elle est là pour faire de vous les meilleurs programmeurs de jeux vidéo, mais aussi elle a besoin de références, parce que ce sont des écoles qui valent très cher, elles ont besoin de nouveaux élèves tous les ans, c'est entre 5000, 8000 euros, 10 000 euros une école par an, et sans compter qu'il faut vous loger, hein, parce qu'il y a peu de chances que l'école que vous visiez soit dans la ville où vous habitez. Donc ça peut coûter facilement plusieurs dizaines de milliers d'euros une année pour pouvoir suivre ça. Elles ont besoin de références, parce que ce qu'elles aiment, les écoles de jeux vidéo, je le sais pour les avoir fréquentées, pour avoir été président d'associations, de régionales, pour avoir siégé au syndicat national du jeu vidéo, je connais les écoles, pour être partenaire de certaines écoles, elles ont besoin de références, elles ont besoin à la fin des cursus de dire « Regardez, nos élèves, ils sont partis chez Blizzard, regardez, nos élèves, ils sont partis chez Ubisoft, regardez, nos élèves, ils ont créé un studio, regardez, nos élèves, ils ont créé un jeu qui a eu du succès sur Steam. » Et c'est ça qui va être leur vitrine. Alors elles ont besoin de capitaliser sur les élèves. Elles ont aussi besoin, je vous le dis, d'avancer dans l'année. Elles ont besoin d'avoir les meilleurs élèves. Elles ont besoin de prendre ceux qui vont être le plus motivés, ceux qui vont aller au bout. Et puis surtout, elles ont besoin de vous enseigner beaucoup de choses. C'est complexe la programmation de jeux vidéo. Le programme, il est énorme sur 1, 2, 3 ans. Donc ils vont prendre des gens qui ne vont pas les mettre en retard et qui ne vont pas mettre en retard le reste du groupe. Il suffit de regarder. Je suis allé voir Créajeux par exemple. Créajeux, vous avez formation, vous avez conditions d'admission, niveau bac, bon, pourquoi pas, et passage de test plus entretien. Et si vous n'êtes pas assez bon, vous pouvez passer une prépa jeux vidéo. La prépa jeux vidéo, elle vaut quand même assez cher, c'est 1 an ou 2 ans pour vous préparer, et même pour entrer, vous allez devoir passer un entretien et ils vont peut-être vous sélectionner. Et cette prépa jeux vidéo, vous pourriez la sauter pour pouvoir aller directement peut-être en école, en cursus traditionnel, tout simplement en vous préparant vous-même et du coup en réussissant les tests d'entrée. Donc c'est assez rare les prépas, donc eux par exemple ils peuvent vous préparer. Mais vous pouvez aussi vous préparer avec Gamecodeur, et je sais que Créajeux propose Gamecodeur en prépa de la prépa, c'est-à-dire que pour avoir des gens en prépa qui au moins savent si, savent si ça leur plaît la programmation et qu'ils aient de bonnes bases de programmation et qu'ils savent déjà raisonner comme des programmeurs et pourquoi pas qu'ils aient déjà un petit portfolio, ben, ils conseillent aux jeunes de se former avec Gamecodeur. L'Enjmin, vous avez un dossier de candidature et dans ce dossier de candidature, vous avez langage de programmation et il y a 3 lignes. Vous pouvez citer 3 langages de programmation. Oubliez, hein, c'est un leurre, apprendre un seul programme langage de programmation, genre je fais du Unity et du C#. On veut que vous soyez polyvalent, on veut que vous sachiez programmer avec plusieurs langages parce que ça va montrer que vous êtes capable, ça va montrer que vous raisonnez mieux, ça va montrer que vous êtes un meilleur programmeur, ça va montrer que vous savez mieux structurer votre code parce que vous comprenez les différences de syntaxe entre les différents langages, ça va montrer que vous avez le goût de l'effort, ça va montrer que vous savez donner du travail, ça va montrer que vous savez travailler de chez vous, ça va montrer que vous êtes autonome. Tout ça, plus vous connaîtrez le langage de programmation, plus vous aurez vos chances pour entrer dans ces écoles. Isar Digital. Il y a carrément des épreuves écrites, mathématiques, logique, programmation, réviser le C++, le C, les bases de rendu graphique, OpenGL, DirectX, les mathématiques, l'algèbre. Donc là, eux, ça va très loin, ils demandent un gros niveau. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Rubika. Rubika, vous avez dans leur objectif formation, enseignement, admission, connaissances, compétences en développement et solide culture générale unique, mais compétences en développement, et vous allez devoir passer un entretien et il vaut mieux que vous soyez un petit peu bon parce que vous allez devoir payer quand même 8000 euros l'année. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu aussi, on vous demande je ne sais plus quelle école, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Ils vous demandent des portfolios tout simplement. On vous demande un portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est, alors excusez-moi, je switch entre les onglets. Un portfolio, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous avez déjà réalisé, c'est votre catalogue de création personnelle. Et donc je le dis, et quand je forme mes élèves avec Gamecodeur, je leur dis, créez-vous un portfolio avec 5-10 jeux. Il y a des gens qui créent un jeu par semaine. Si vous, ça vous fait un an que vous vous formez et que vous n'avez pas un jeu à montrer, je suis désolé, vous êtes un mauvais candidat, que ce soit pour créer des jeux vidéo et que ce soit pour rentrer dans une école. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que c'était qu'un programmeur de jeux vidéo. Un programmeur de jeux vidéo, il crée des jeux vidéo. Il crée des putains de jeux vidéo, tout simplement. Et donc, s'il n'a pas créé des jeux vidéo, c'est qu'il n'est pas programmeur de jeux vidéo, c'est qu'il n'est pas passionné par les jeux vidéo. Oubliez le clivage game designer-programmeur. Un programmeur, il doit être game designer au minimum. Il doit avoir des compétences de la culture vidéoludique. Il doit être capable de créer de reproduire des jeux existants, de faire des clones de jeux d'arcade. Il doit être capable de participer à des game jams. Il doit avoir un portfolio avec, par exemple, un jeu d'action, un jeu de RPG, un jeu en C, un jeu en Lua, un jeu en C# avec Unity, un jeu fait... montrer qu'il s'est programmé de toutes pièces, en pur code, qu'il s'est programmé avec un moteur, qui s'est programmé dans le moteur et qui s'est programmé quelque chose que le moteur ne propose pas et qu'il a programmé quelque chose en plus, qui s'est intégré des librairies qu'il a codé lui-même, qui s'est compilé en C, qui sait ce que c'est qu'un makefile, plein de choses qui vont faire de vous un excellent candidat, que ce soit pour entrer dans une école ou pour entrer dans un studio de jeux vidéo si vous voulez faire de la candidature spontanée, ou pour créer votre studio. Si vous créez votre studio et que vous n'avez pas vraiment un bon background, de bonnes connaissances en programmation, une autonomie, comment est-ce que vous allez pouvoir mener à terme un projet de un an et demi, puisque c'est ça qu'il faut pour créer un vrai jeu complet. Bien sûr, on peut faire plus court, mais si vous débutez, vous allez avoir du mal à faire très court. Comment vous allez pouvoir mener un projet à terme, un gros projet à terme, si vous n'êtes pas capable de mener des petits projets à terme? Il y a des gens qui créent des jeux en 48 heures. Moi, je fais des jams en 1 heure. Je vous ai montré plusieurs fois avec des codes commando que je pouvais poser les bases d'un gameplay en 1 heure. Imaginez que j'aille candidater dans un studio de jeux vidéo. Je peux leur dire, regardez, ben, moi je m'assois, en 1 heure, je vous fais un gameplay et je pars de zéro. Regardez, donnez-moi un langage de programmation que je ne connais pas, je peux l'apprendre et utiliser un petit framework et créer un petit jeu dans l'après-midi, je vais apprendre le langage de programmation, etc. Regardez, je sais programmer à peu près en 8-10 langages de programmation et les variantes, etc. J'ai du background état de l'art de la programmation, mais également utilisation moderne de moteurs tels que Unity ou même Game Maker. Je sais de faire tout ça. Est-ce que je serais un meilleur candidat, d'après vous, que celui qui arrive et qui dit j'ai fait un jeu en C# avec des potes, mais je sais, j'ai pas tout programmé, puis le jeu il est pas complètement fini, mais je connais bien quand même C#. Regardez, j'ai fait ça. Et là, on voit que vous avez programmé uniquement à partir de tutos, et que vous avez fait du drag and drop, et que vous avez, si vous dit bon bah alors programme-moi ça, rajoute-moi un pathfinder, du pathfinding dans ce jeu, rajoute-moi ça, comment on crée une tilemap, comment on fait ça, fais-moi ça apparaître en blending, fais-moi du twinning jusque-là, rajoute-moi un peu de physique, et là vous allez être complètement perdu. Pourtant ça c'est des concepts de base, c'est des fondamentaux de la programmation de jeux vidéo que vous devez le connaître. Je crois que c'est ça l'expression. J'avais fait une vidéo qui s'appelait les 5 piliers de la programmation de jeux vidéo. Vous pouvez aller la voir. C'est vraiment ce que vous devez maîtriser si vous voulez vraiment sérieusement. Et c'est génial. Apprendre à programmer des jeux vidéo, c'est génial. Aller dans une école de jeux vidéo, c'est génial. Vous allez avoir un cadre qui va vous permettre pendant plusieurs années, si vous en avez les moyens, de faire de la programmation de jeux vidéo. Vous pouvez également vous former de manière autonome. Bosser dans l'univers du jeu vidéo, ben, c'est quand même le rêve de beaucoup, mais soyez bon, soyez propre, sachez bien programmer, sachez utiliser à la fois plusieurs langages de programmation, également soyez des experts en moteurs tels que Unity, Unreal, etc. parce que ben, aujourd'hui c'est ça qu'il faut pour être sérieux. Par contre, si vous créez votre propre studio de jeux vidéo, vous pouvez vous focaliser sur un, deux, trois langages de programmation pour vous former. Et ensuite, ben, vous pouvez faire du Love 2D, du Monogame, vous pouvez faire du Unity, vous pouvez faire du Game Maker, vous pouvez faire du Axe Pixel, vous pouvez faire du P-Game, vous pouvez focaliser sur un seul framework. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un gros moteur, parce que dans la plupart des cas, si vous faites par exemple un jeu 2D, vous n'avez pas besoin d'avoir une usine à gaz et vous allez pouvoir peut-être être beaucoup plus à l'aise avec un environnement léger, avec quelque chose qui nécessite un PC pas trop puissant, vous êtes peut-être plus à l'aise avec le code pur qu'avec autre chose, ou pas. Soyez le plus polyvalent possible pour pouvoir choisir vraiment ce qui vous plaît, parce que c'est pas le moteur qui fait le jeu, c'est le plaisir que vous allez avoir à créer, c'est le plaisir que vous allez avoir à programmer, et certains vont avoir plus de plaisir avec tel outil, plus de plaisir avec tel moteur, plus de plaisir avec tel langage. C'est vraiment une émulsion une émulation, et c'est ça qui va faire que vous allez mener à terme et que vous allez être capable d'aller au bout d'un projet, parce que je peux vous dire que c'est chiant d'aller au bout d'un projet. C'est très fun hein, de démarrer les projets, vous le savez tous, et les mener à terme, à un moment donné, on passe une grosse traversée du désert, et si vous n'êtes pas amoureux de l'outil que vous utilisez, du langage que vous utilisez, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, soyez bon, soyez fun, soyez polyvalent, et apprenez à programmer si vous voulez rentrer dans une école de jeux vidéo. Je crois que j'ai assez parlé. Mais ça fait que 15 minutes, ça va. Donc je vous retrouve en tout cas sur Gamecodeur si vous voulez vous former de manière autonome à la programmation du vidéo et avoir des bases solides, mathématiques, réseaux, langage de programmation, fondamentaux de la programmation de jeux vidéo, algorithmie. Tout est sur Gamecodeur avec des nouveaux ateliers, du nouveau contenu tous les mois, tout simplement pour 19 € par mois. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez un tarif en ce moment pendant le confinement pour adhérer à vie. Tout simplement, vous payez une seule fois et puis vous avez accès à vie à la formation, à tout son contenu passé, présent et futur. Voilà, je vous aime les programmeurs, je vous dis croyez en vous, prenez soin de vous, bon code, vous pouvez mettre un pouce comme ça pour m'accompagner, c'est pas ça que je voulais faire, c'est hop, c'est vous mettre des petits pouces. Vous pouvez me mettre un pouce comme ça sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus d'infos sur la programmation de jeux vidéo, avoir des cours gratuits, avoir des infos sur la formation de Gamecodeur, avoir des astuces, des outils. C'est sur cette chaîne-là et sur le site gamecodeur.fr. Salut!